Bonjour, namasté. Merci pour revenir à ma chaîne. Et aujourd'hui, je veux t'enseigner comment faire Sarvangasana et on se protège le cou quand on le fait. Normalement, on le fait par terre, mais si c'est une belle manière, donc il faut une couverture et on va la plier plusieurs fois, mais qu'il reste une surface que je puisse m'allonger là-dessus et surtout que mes bras supérieurs peuvent les rester confortablement sur cette surface. Donc pour faire Sarvangasana, la reine de les asanas, on va se mettre sur cette couverture et au bord de la couverture, j'ai mes épaules. Donc les épaules, elles doivent être juste là, comme ça, mon cou, ma tête, elle est par terre, mais il y a un espace ici, comme je suis un petit peu levée. Donc, je vais monter à Sarvangasana et tu vas essayer de joindre les coudes le plus possible. Donc, les coudes, ils doivent rester à la distance de les épaules. Et comme ça, je suis levée, mais ma inclination de la tête, elle est moins forte, comme si je serais sur le sol. Donc ici, ça aussi, tu peux le faire contre le mur, un petit peu éloigné, si tu as des problèmes pour monter. Voilà. Et on peut rester très confortablement ici, en Sarvangasana. Et tu essayes de marcher avec les mains vers la partie haut de dos, le plus possible. Voilà. Et on reste confortablement. Une très belle pause pour se reposer. Surtout si on est assise ou des pieds toute la journée. Pour revertir un petit peu le flux du sang. Et c'est aussi une pause qui nous pose, qui nous relaxe. On peut le faire avant de se coucher. Et après, on passe à Halasana avec une expiration. Voilà. Et on amène les pieds par terre. Si tu ne peux pas arriver avec les pieds par terre, ce n'est pas grave. Tu mets une hauteur, une chaise derrière toi, juste. Comme ça, tu peux laisser tes pieds à la hauteur confortable que ça te convient. Voilà. On reste en Halasana. Et à Halasana, c'est bien d'essayer de ne pas tomber, sinon vraiment de faire cet effort d'amener les esquillons vers le plafond, comme ça pour redresser le dos le plus possible. Et après, Kanapidasana. On va plier les genoux vers les oreilles. Et on lâche, on relaxe le dos. On peut lever les mains comme ça. Et pour sortir, doucement, on sort. Et on peut laisser les fesses sur la couverture. Et monter les pieds comme ça. Pour se reposer, aussi une très belle pause, très facile, un petit peu d'auteur. Et si tu veux, tu peux même plier la couverture un petit peu plus. Avoir un peu plus d'auteur. Mettre l'épaisse sur la couverture, les épaules par terre. On peut le faire contre un mur. Et si on n'a pas de mur, on peut le faire comme ça. Donc j'ai les fesses un petit peu élevées. Et ça, c'est aussi une belle variation. Viparita Karani. Pour fermer les yeux. Et se reposer. Se calmer. Aussi une très belle pause. Voilà. Et quand tu te lèves, surtout, toujours latéralement, doucement, tranquille, après une inversion.
Merci d'avoir joindre ma chaîne. À la prochaine fois. Om Shanti.